Hop tout le monde, c'est Vertiga, on se retrouve aujourd'hui en chair et en gras, parce que oui, hein, bien sûr, la bonne année est déjà passée et qu'on a tous bouffé. Qu'est-ce qui va se passer pour la bonne année? Déjà, je vais vous expliquer pourquoi ce bonnet. Voilà, il faut que j'aille chez le coiffeur. On va donc se retrouver pour une petite nouvelle année sur Call of Cthulhu. Pour la petite histoire de ce jeu, je vais vous expliquer parce que dans ma tête, j'ai toujours pensé qu'en fait, c'était pas Cthulhu. Voilà, pour moi, c'était... Ça me fait penser... Vous voyez? Allez, on commence à jouer. Du coup, attendez, parce que... moi, je lance un jeu, je sais que c'est un jeu d'horreur. Déjà, vous voyez, quand ça fait des trucs comme ça, j'aime pas. Entrer dans la folie. J'y suis déjà depuis des années, mon gars, tu ne sais pas, toi. La folie est miséricorde. Puisses-tu prendre en pitié l'homme insensible qui demeure sain d'esprit, confronté à la mauvaise dame, l'abominable homme des neiges. Vérité. C'est une blague, ça commence comme ça, direct dans le dégueulasse. Pourquoi c'est dégueulasse tout de suite? Oh, mais il y a des moyaux et tout. Oh, ça sauvegarde déjà. Vous savez que j'aime pas les sauvegardes. Non, vous savez. Et ça, c'est comme dans Outlast. Hein. D'ailleurs, on met une petite fiche hein, pour rappeler qu'il y a Outlast. À regarder, K.O. si vous vous ennuyez. Même la lumière, elle fait... Pourquoi il y a des algues? On est dans quoi là? On est dans un bateau? C'est moi qui fais du bruit comme ça? On peut se battre ou quelque chose? Non, on peut se baisser. Il y a des choses à ramasser? Non? Non? On est chez un poissonnier, hein? Ah ben franchement, il est pas frais ton poisson, hein? Viens me le dire ici qu'il est pas frais! Oh la vache! Oh la vache, c'est dégueulasse! Bon, je ne suppose que... Voilà. Évidemment. Pourquoi? On tâche toujours aller dans des endroits sombres. Ah non, c'est plus que sombre là, j'aime pas. Hein. Ils vont encore me dire non. Mais j'y vais quand même. Verti est têtu, vous le savez. Je parle de moi... D'accord. Je vois plus. Ah, je ne vois plus rien. Ah. Contrer l'obscurité. Eh mais... Vous ne pouvez interagir... J'ai pas eu le temps de lire ta mère. Bonjour. Bah j'ai l'air chouette. Non mais sérieux, je vais me balader avec ça. Bah tu me diras, si on était en 1924, ils avaient pas une lampe torche qui se recharge toute seule en mode... C'était quoi? Un poissonnet? Il faut que je prenne le bateau? Non? Le bateau aussi? On peut pas courir? Ah si, on peut marcher un peu plus vite. C'est quoi qu'il y a sur le... Oh, j'avais pas vu ça tout à l'heure. Alors du coup, est-ce que je vais là ou est-ce que je vais là-haut? C'est plus près. Sésame! Vous avez vu que ça s'est sauvegardé. Il y a un truc bizarre qu'à parler. Moi, pas aimé. Pourquoi j'ai encore décidé de faire un jeu comme ça? Wesh! Tiens! Prends ma torche! C'est une lampe à l'huile. Du coup, on doit toujours la laisser allumer ou... Comment ça se passe? Parce que... Non? Willy! Ah oh bah alors... Oh my god. Ah oh bah là on peut plus sauver Willy hein. Oh mais c'est...
Il y en a qui aiment les tripes, les rognons, tout ça, parce que là... J'ai été choisi, pourquoi? Il m'a demandé de courir? C'est Voldemort? Je me suis trompé de jeu. But perhaps you will attempt to change your destiny. Ah non, mais attends, je suis dans Pirates des Caraïbes ou quoi? C'est un cauchemar! Bon, chérie, allez, t'as trop picolé hier, chérie. I hate whiskey. Je déteste le whisky, tu vois? J'avais raison. I'm coming. Attends, t'accueilles les gens comme ça. Sir, I came here on the advice of a person whom I hold in high esteem. And I must say that I expected anything but a drunkard's lair. Ah, hey, j'ai pas bu le verre dès le réveil. J'ai fait un effort. You're free to leave anytime, sir. Do you know to whom you speak? Stephen Webster, industrialist and art collector. All of Boston knows you. Tell me, Mr. Pierce, are you capable of handling a new case, péter, or are là. You simply a deadbeat inebriate? If you come to me, it means you're desperate. Nobody believes me. They take me for an old fool. Sarah, my little girl. She is dead. Bichette. Even you must know of her. She's dead. She was Sarah Hawkins. The painter? Yes. Everyone knows her work. The police accuse her of killing her family. They all died in a fire. Sarah, her husband, and Simon, my grandson. I can't do anything for a woman who is already dead. Find out the Effectivement, truth. Ça va être un peu compliqué. They say she was mad, but I know that's a lie. She would never have done such a thing. But if you have no proof... I've brought all that I have. Look. I want you to look carefully at this painting. Oh là là, ça va encore être un truc de... psychologique, ça. What am I supposed to find? Tell me if this is the work of madness. Or if, on the contrary, you manage to detect some logic, a rationality to follow so that I may understand it. Is that all you want from me? Yes, please. All right. I'll look at your picture. That's all you've got? The painting? I placed a file on your desk. It contains everything I have on the affair. A warehouse on Darkwater. Some sketches of the Hawkins family. Rather thin. Y a pas grand chose, hein. Bon. Qu'est-ce qu'on va te dire? What's this symbol on the man's chest? It's as if Sarah Hawkins breathed a message into it. S'en aller. Exactement. Ah bah j'ai eu un petit trophée, tiens, merci. Entrer dans la folie. Avec Tata Merci. Elle a pas fait iceberg. Ah non merde, c'est pas le Titanic. Ah, c'était juste le warm-up, c'était le chauffement. Enfin, du moins pour le personnage, c'était l'apéro, quoi. Mais quelle idée de venir habiter là aussi si elle était pas bien dans sa tête? Ça va pas, non? Moi, si ça va pas, je vais pas habiter là, hein.
Bon alors c'est vraiment que t'es un gros gros problème hein. Stay on board. There's guys coming to unload. Welcome to Darkwater Island, Mr. Pierce. Merci. Why, thank you, Captain Fitzroy. So, what wind brought you? Does the Hawkins case mean anything to you? A sad story that we would all prefer to forget. Charles Hawkins may have been a landlubber, but he was a good man. And his wife, Sarah Hawkins. A nice young woman, and a great painter. What a tragedy. You know what? Go have a drink of the stranded whale. What you need is a good pick-me-up. Super. Mitchell may not be very welcoming, but his bar holds a surprise for you. As for me, you'll find me at the Harbor Master's office. Okay. If it's the Hawkins family that brings you here, I have a pile of documents that should interest you. What? Understood. Understood. I'm going for a look around the docks. Bonjour, capitaine. I've brought out the Charles Hawkins cargo manifests. D'accord. They're on the table next to you. But in truth, you're likely to be disappointed. When you're done, come join me on the deck. D'accord. These manifests are signed by Charles Hawkins. That's all I'll get from them. Il est où ce con? Ah putain, il m'a fait peur et part pas comme ça sans rien dire. I wonder what Captain Fitzroy has got to say about this woman cat. It belonged to the Hawkins family. Precisely. Ship owners from father to son. I think that somebody here wanted me to search this warehouse. You saw what happened with those sailors. Don't hang around here unless you want trouble with the bootleggers. I've seen the kind of messages their boss sends. You're not scared of her. Of course I am. Everyone's scared of that woman. She's not interested in small fry like me. You, on the other hand, nose around too much, you'll have dealings with her. I shall take my leave. Allez, bisous. Moi, je cherche comment on rentre là-dedans. Trouver les objets cachés. Qu'est-ce qu'il y a de caché? C'est où qu'il pourrait y avoir un truc important? Oh putain, c'est quoi ça? Ah ben voilà. A ratchet device, exactly what I need. Ben voilà. This handle will be perfect for the winch. Putain! Peuh. It should be possible to mount this cargo. Putain, ça fait 10 ans que je passe devant? Non. Vraiment quoi? Éteins-toi, toi. Voilà, like, looks like everything is in its place. All that's left is to try to turn this handle. Bah oui, allez, vas-y. Mange-toi le cul. Waouh. Damn, I broke it. Putain, non, t'es sérieux? Well, well. A little mouse has got lost on our turf. You're not only inquisitive, you're also stupid. What gave you the crazy idea to come onto my turf? Mais alors, qu'est-ce que tu vas dire? Has the cat got your tongue? You've come for a fight. What I've got to say won't change a thing. You're a quick learner. I decide who comes in and who stays out. And anyone who doesn't respect my rules, c'est vrai? I punish them. Tu veux te battre avec moi sans déconner? Is your name Kat? What of it? Maybe we can come to an understanding. Maybe. Or maybe not. Ah ouh, mes burnes. Get this joker out of here. He might have a little trouble walking on his own.
Là, j'avoue que j'ai pris un coup dans les boules. I'm getting careless. Je me ramollis. Vous savez quoi, ça fait une heure que je tourne et j'ai vraiment tourné en rond. Hein. Par contre, vous voyez, c'est le genre de jeu où il faut proposer, je pense, un let's play. Je vais vous mettre en fiche les vidéos de Seros qui a fait justement le let's play complet dessus. Parce que moi, je ne vais pas le faire parce que j'ai commencé à faire Outlast et j'ai vu que petit à petit, les vues baissaient. Du coup, c'était juste une vidéo découverte. J'espère que ça vous aura plu. Du coup, si la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et puis pour avoir la suite de ces... Eh mais c'est pas possible, j'ai pu parler hein. Pour avoir la suite de mes aventures, on suffit de s'abonner et on met la petite cloche et on a envie d'être notifié, voilà, point. Et on n'oublie pas que le samedi soir, on est en live sur Twitch. Et là, tout ça, le lien, bien sûr, n'oubliez pas que tout est dans la description. Allez.